Bonjour à tous, c'est Munchy, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sekiro Shadows Die Twice. Donc là, nous sommes à l'épisode 14. Alors, épisode précédent qui était un peu plus calme que les autres, j'ai surtout passé du temps à améliorer mon perso au début, et ensuite on a un peu continué le temps Sempo, et on a affronté un gros balaisan d'armure qu'on a fait tomber du pont, et il a hurlé « Roberto !» en tombant. Donc ça nous amenait la suite de la zone du temple, donc c'est ce qu'on va explorer tout de suite. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Go! Début des embrouilles, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des loups. D'accord, j'ai mis un coup de lance. Qu'est-ce que vous foutez là? Je peux pas aller sur le toit du temple là? Je viens de percuter. Bien sûr que si on peut. Clé de porcelaine. Ah, il y a des carpes. Ah, ça c'est cool parce qu'il me faut des écailles pour que je puisse m'acheter un truc dans la zone Irata. J'ai pas oublié ça. Hein. Faudra que j'y retourne tôt ou tard. Pareil, le moulin blanc, faut que je l'apporte aussi. Au PNJ. Espèce de gros balèze au début de la zone. Au début de la zone. Du peuple, hein. C'est un loup, je m'en fous. C'est pas les ennemis les plus chiants, hein. Allez, tiens. Super bocan. J'ai un poisson. Allez. Une écaille. J'ai un poisson. Deux écailles. Ça, c'est bon. Il y a des moines un peu partout. Ok, il va falloir que je fasse gaffe. Sérieux de m'avoir vu à les hauteurs là-dedans, les mecs ils s'en foutent, hein. Ils voient, ils s'en battent les couilles. Bon, ils vont nous oublier, c'est pas grave. Ah. Ouais, ils nous oublient s'ils me bombardent pas la tronche, quoi. Je suis dégoûté. Bon, tant pis, on va devoir le faire à l'ancienne. Oh, c'est quoi ça? C'est toi là, hein, avec ton masque à la con. Non, je peux pas t'avoir, mais toi, je peux t'avoir. Nouvelle race de moines, hein. Bon, ils sont pas très forts. Ils nous envoient juste des trucs à distance, c'est rien de très gênant. Par contre, lui, ouais. Ah, ils parlent les coups chargés, eux, hein. Faut vraiment leur bourrer le cul. Et ça passe. Allez. Ah, il reste un moine là. Là, il a rien entendu, lui. Il sourd, il y avait des explosions et tout. Ça passe. Pas de piège, c'est bizarre.
Ah, autant pour des éclats de porcelaine. Je serais pas volé, hein. Je peux pas ouvrir la porte, là? Vraiment? C'est par là, alors. Je peux pas passer... J'ai l'impression qu'il y a une... un endroit, quand même, là. C'est pas possible. On peut pas passer par au-dessus? Ah! Bah voilà. Wow. Des rats à la con. Ah, par contre, ils vont me saouler. C'est pas des rats avec des boucliers, donc du coup, ça pète pas. Je suis déçu. Je vous cache pas. Je vais mourir là, d'accord. Le poison, on va essayer de l'annuler un peu. Je suis toujours empoisonné, hein. Ah non, c'est bon. Allez, arrête de rouler. Tu vas faire ça jusqu'au bout là? Allez, ça dégage. Eh bé. Pas de partie de plaisir, les rats, hein. C'est vraiment casse-couille. Hein. Il y en a encore en bas, hein. Je le sais, je vais la voir. Allez, oublie-moi un peu. C'est bon, je vais t'avoir. Je crois que c'était le dernier. Il y a tous ses potes sur le toit. Ah d'accord, j'aurais pu passer par ici, mais ça aurait été le gangbang, quoi. Ils auraient été sur le toit, ils m'auraient explosé, quoi. Énormément de moines là encore. C'est quoi cette merde? Bon, je vais m'éloigner, hein. Je suis pas chaud là, je suis pas chaud. Lâchez-moi. J'ai récupéré, mais il y a une belle saloperie aussi. Est-ce que ça craint le feu, cette merde? On va le savoir tout de suite. J'imagine que oui, hein. Enfin, j'espère. Alors, je sais pas si ça craint le feu, mais putain, ça a une portée d'enculé. Pourquoi j'ai pris une potion de témérité? Parce que je suis un gros con. Ah génial, je passe un bon moment. Bon, tu sais quoi? En plus je suis sûr que c'est immortel cette merde. Allez, je ramasse ça et je me casse.
Ah, il m'a fait consommer des soins, hein. C'est vraiment saloperie quoi. Toi, je sais ce qu'il faut pour te battre. Je suis pas né de la dernière pluie coco, dommage pour toi. Oh, trop de moines, au secours, putain. Chose à la fois. J'ai l'impression que ça m'amène à la suite. Il y avait rien d'autre à ramasser sur les toits là. D'abord explorer les contrebas. Hein. Je veux pas aller trop vite. Sans qu'ici j'avais pas été. Là. Sur les toits, ramasser, y'a quoi là-dedans? J'ai des bruits un peu porno. Il a l'air gros lui. De merde. J'essaie de regarder un peu ses patterns, hein. Ok. Infernal, il y a énormément d'addons là, c'est relou. Oh, il a pas aimé le coup des stocks là. Si je peux l'arnaquer comme ça, c'est goldé. Ouais. On va essayer de l'arnaquer. C'est mon cadeau à ma communauté. Par contre, les addons, ils vont me saouler. C'est le truc que ça, je vais pas aimer, hein. Quand il apparaît. On va l'avoir coup par coup, hein. Allez. Ah. De toute façon, il paraît celui-là. Ah, il part, dommage. On va l'avoir, hein. Question de temps, là. Ah merde, il me touche. Que je me retrouve bloqué dans un coin. C'est juste ça.
sinon ça passe crème. Dommage. J'ai le soin. Je suis carrément bien. Oui, je me rassure comme je peux en parlant, hein, désolé. Non. Allez, dernier coup. Allez. Dégage. Pour la canon jaune, perle chapelet, j'en ai 4. Nickel, je pourrais m'améliorer. Bon, eux, vous par contre, vous m'avez saoulé tout le long. Oui, c'est ça, c'est bien. Poudre à canon noir. Et bah dis donc, moi, mon cochon. Ouais, je l'ai arnaqué, hein, clairement, mais bon. J'ai plus qu'une gourde. C'était propre quand même. Je l'ai arnaqué, mais c'était propre. Sortir. On sort par où par contre au-dessus ou alors il y a un endroit où je peux. On peut sortir par là, d'accord. Ah, Gecko. Ah, je les vois pas avec l'herbe là, ils sont de la même couleur, bordel. Combien de loups là? Il y avait combien de loups, nom de Dieu? C'est quoi ces conneries? Ah, oh, bordel. C'était drôle. Je sais pas, à moindre idée d'où je vais. Oh non. Je voulais l'arnaquer, j'ai vu qu'il m'avait pas vu, merde. Au final, c'est moi qui me fais arnaquer, j'ai plus de soins. Allez, ça dégage. Ouh, putain. C'est sport, hein. Là, je reviens là. Ok, tout est lié. C'est impeccable. Du coup, j'aimerais bien rester en hauteur, prendre de la hauteur, parce que j'aime bien voir la zone quand même. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Fumier, j'ai bien fait de passer par en haut. Oh, il y a un gros sac à merde là. Toi, t'emmerderas personne. Hop là. J'ai des buissons.
son, mais c'est génial. Je me suis fait arnaquer là. J'étais dans les buissons, il m'a quand même vu. Je ne cherche pas à comprendre. Arrête d'avancer, putain. J'ai du bol s'il me voit pas. J'ai vraiment eu du cul, mais... Incroyable. C'était épique. J'ai plus qu'une poulette pompe soignée, putain, comme un clodo. Je peux bien monter par en dessous pour atterrir ici, donc c'était bien le chemin logique, j'avais raison. Par contre, ouais, il me faudrait peut-être une statue bientôt parce que ça commence à être vraiment chaud, hein. Il m'a pas vu, mais j'hallucine, c'est pas vrai, quoi. Allez, hop. Bon, si je me suis tapé un mini-boss et tout, au secours, quoi. Normal que je sois éclaté un peu, là. Dégage. C'est quoi cet ennemi de merde encore? Attends. Soyons malins. Soit le moyen, soit l'on rusé. Trois ennemis à la con, là, j'ai plus de vie, ça va être infernal. Je vais d'abord aller là-bas. Chercher une statue, pitié, quoi. C'est vrai que le suc de Gashin, je m'en étais jamais servi, mais putain, il sauve les vies, mais... Il sauve des vies. Toi, tu meurs purement simplement. On va atterrir dans une grotte, c'est génial. J'ai l'impression que c'est plan cul d'aller par là maintenant. Toujours pas de statue, genre ça me rend fou. J'ai plus de soins, j'ai plus rien, je suis à poil. C'est horrible. Oh non, mais putain, mais jamais je m'approche d'eux. Jamais je m'approche d'eux, c'est pas possible. D'accord, et il y a une statue là.
Voilà, prends tout de suite, j'ai plus de vie. Je retournerai là où il y a les mecs, là, assez balèzes. Peut-être qu'il y a quelque chose à ramasser. Sait-on jamais. Quoi ça? Ah, c'est juste un raccourci nul en fait, d'accord. Non, oubliez-moi. Enfin, non, en fait, il lâche rien. Bon, je les tuerai quand même, voir s'il lâche des trucs. Dans le doute, hein, autant tuer les ennemis au moins une fois. Hein. Et je sais que t'es un enfoiré, t'inquiète. Alors j'ai vu le PNJ, hein. Je vais aller lui parler juste après. Sauf pas de ce côté, je suis déçu. Oh merde. Il y a des saloperies partout. On va là-dessus. Et derrière, on va ramasser une statue pour donner une résurrection, c'est cool. Goutte de sang dragon, ça tombe bien parce que je vais pouvoir l'utiliser en fait. La poussière grasse, en fait c'est du matos. Bon, je crois que j'ai tout ramassé. Hein. Chapitre sacré infesté, un passage décrivant un voyage vers l'illumination. Pendant un temps, j'ai été béni par le ver. Ne pouvoir mourir permet d'avancer sur la voie étincelle. Étincelle, je suis un connard. Éternelle de l'illumination, et je dois l'atteindre pour comprendre pourquoi je ne peux pas mourir. On dit que le dragon sacré est originaire de l'Ouest. Je me demande quel but le ver m'a confié. Oui, je sais plus lire, mais en même temps, il est 4h du matin, hein, donc pour ma gouverne. Allez, je vais essayer d'avoir ces deux enfoirés. Enfin, trois, je crois qu'ils étaient trois. D'accord, le mec il m'a vu. Il va me défoncer la gueule.
Allez. Vous êtes vraiment balèze, hein. Putain de merde. Non, il a juste de XP, il lâche rien d'autre. Ouais, vaut mieux les avoir discrètement. Eh, heureusement que je les ai eu discrètement tout à l'heure, ceux qui étaient sur le pont. Enfin, tout à l'heure, ouais, pour vous, c'était dans l'autre vidéo, mais... Oh. Tellement balèze. Entre les deux, là, ils m'inquiètent, hein. Attendez, pas moins de les arnaquer, là. Éclat de porcelaine, ouais, je peux pas les attirer. C'est ça que je voulais faire. Tissu de gâchine, je vais essayer d'en arnaquer au moins un, quoi. Ouais, il lâche des trucs. J'ai bien fait de les tuer. Dis-moi un peu, s'il te plaît. Je vais essayer de t'arnaquer, toi aussi. Maintenant que j'ai ton pote. Le sucre de gâchine, c'est fort quand même, hein. Pour... enfin, c'est fort pour l'intelligence artificielle. Quoi? Tu veux venir jusqu'ici vraiment? T'es sûr de toi? On a quand même battu un la loyale, hein. Pas connard à ce point. Oui, on va continuer. Bah, je vais me reposer là. Je sais pas ce qui m'attend dans la grotte là. C'est parti, on y va. Coucou. Je pensais que j'ai pas amélioré mon perso au niveau de... des perles de chapelet. Faut que je le fasse. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc là c'est d'où je viens. Ah! Ah ah! Je n'étais pas censé voir ça. En tout cas, je t'ai vu. C'est tout noir, j'aime pas ça. En tout cas, l'ambiance s'en change comme ça. De l'eau. Non, mi bout d'esprit. Tellement facile quand tu peux leur sauter dessus, une fois que t'as compris ça, c'est... menace zéro, quoi. Il ne fait absolument rien. Il y avait un autre chemin, hein. Je garde ça en tête. Je vais y aller après.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est juste une pagode, apparemment. Avec un truc à l'intérieur. Test ésotérique de Senpo, un livre de secrets qui vous permet d'apprendre les compétences du temple Senpo. Au temple Senpo, on apprend les arts martiaux pour grandir en vertu. On pense que les points combinés à une discipline stricte sont essentiels pour battre les ennemis de Bouddha. Et là, ce temple Senpo a été saisi par une obsession. Obsession d'immortalité, ok. Donc c'est un style de combat. Ok, très bien, intéressant. On regardera ça. Et là, je vais retourner sur la zone que j'avais pas regardée. C'est là-bas que j'avais pas été. Et c'est du pareil au même parce que ça me ramène là. C'est ça? Ouais, ça me ramène là, d'accord. Ok. Donc, au final, j'ai rien raté. Tous les chemins mènent à Rome. D'accord, en fait je suis revenu, on a complètement drogué. Non, et oui, c'est par là qu'il faut que j'aille, tête de nœud. J'avais vu un autre endroit. Voilà, c'est bien là. Arrête de tourner en rond. Ça j'ai, on peut pas monter au-dessus, à part là, j'avais vu, on peut s'accrocher. Wow. Ah oui, mais ça me ramène là, d'accord. Sucre d'Aco. Bon bah voilà, on a exploré le temple Senpo. Super. J'ai amélioré tout de suite mon perso. Quatrième collier de perles, c'est beau. Là, je pense que je suis prêt pour affronter Genshiro. Alors, au niveau des compétences, j'ai 3 points aussi. On va regarder l'art du temple, ouais, c'est quoi ça? Ah, pour se battre à main nue, quoi, ouais, super. C'est pas le truc qui me branche le plus. Je vous cache pas. Peut-être que je débloque un peu les trucs de prothèse aussi, voir est-ce qu'il y a par la suite comme effet passif faire du combat. J'aimerais bien voir. Compétence passive qui augmente les effets des objets de soins. Putain, mais ça c'est important. Ok. Bon bah, je sais où dépenser mes points par la suite, on verra ça. Tac. Ok, on va se reposer. Voilà. Bon, et je pense que vous l'avez deviné. C'est la fin de cette vidéo, donc je pense que par la suite, on essaiera d'affronter Genshiro tous ensemble. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour moi, ça sera une très bonne nuit. Je commence à être fatigué, je sais même plus parler. Enfin, voilà. Allez, je vous embrasse. Des bisous, ciao. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, car ton avis m'intéresse, mais en plus ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu veux rater aucun contenu, je t'invite alors à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à me suivre sur Twitter. Allez, à très bientôt.